Hey yo tout le monde, c'est Keke Smuras. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'heure du dimanche contre une équipe full légendaire, Arceus, Agistine et Groudon. Un combat assez long, 41 tours, donc c'est pour ça que dans cet épisode il n'y aura qu'un seul combat. J'envoie mon Dracaufeu, il envoie son Groudon. Un combat assez très tendu, je vous en dis pas plus. Voilà, ça on est habitué. À la gemme de Groudon. Je méga évolue mon Dracaufeu. Avec la sécheresse, voilà. Mais ça ne fait rien. Il utilise Seus, ça m'affecte pas, donc là je pense que c'est un bon vieux Kikou. J'utilise Dracogriffe, avec un petit coup critique qui est sympa. Il retire son Groudon, voilà, il sait pas quoi faire. Pourtant là je suis pas énormément placé. Il envoie son Arceus. Je fais Dracogriffe, voilà, j'avais pas anticipé que voilà, le type fait. Il utilise jugement, c'est pas très efficace. Il utilise Crofeu cette fois-ci. Là, je pouvais rien faire là face à un Arceus. Il utilise Ultra Laser, ok. Ah, ça fait un peu plus mal. J'utilise Kazurek. Je dévoile mon lot d'attaque là. Je savais vraiment pas quoi faire. Le concret contre-coup l'empêche de bouger. J'utilise Crofeu. Utiliser Ultra Laser, j'évite l'attaque. J'utilise Crofeu. Il utilise Ultra Laser. Bon, je le tiens. Pas. Voilà, mon Dracaufeu KO. 1-0 pour lui. Au bout de 8 tours de jeu. J'envoie mon Symbios. Évidemment. Le concrete coup, voilà, j'ai anticipé soin. J'ai anticipé qu'il me fasse une grosse attaque, mais finalement non. J'avais oublié le contre-coup, donc là, mal joué de ma part. J'utilise choc psy qui fait vraiment mal. Et utilise jugement. Ça me fait mi-life. Là, je suis vraiment dans le caca. J'utilise choc psy. Ça le tient à quelques PV. Il utilise soin. Il a été con là. C'est là qu'il a fait une connerie. Il aurait dû attaquer jugement et il m'aurait. Il aurait battu mon Symbios. Il a fait une grosse connerie. Là j'utilise choc psy. Il utilise soin. Et là ça va faire que ça pendant une trentaine de tours. Une vingtaine de tours, pardon. Soin, choc psy, soin, ultra laser, jugement, soin. Là, ça va être la battle de PP. Voilà. En plus, il me fait de plus en plus mal. Mais je vais le laisser en entier parce que. Et il est ouf. Là, c'est celui qui craque en premier qui perd. Quand tu vois les PV de ton adversaire baisser comme ça, tu te dis ah non, je peux pas abandonner là-dessus là. Vraiment pas. À la jugement, encore une fois. Qu'elle me mette à 90 ou 78 points de vie, je pense. Voilà, 65. Encore un soin. Le contre-coup l'empêche de bouger, choc psy.
Il fait soin. Franchement, il avait un avantage vraiment énorme par rapport à moi. Parce que lui, il était plus rapide. Et oui, donc c'était plus facilement anticipable. Je sais pas comment il a fait son compte. Pour pas m'achever avant, voilà. Là. Je fais son... Ça va bientôt se terminer, là. Ultra laser... Contre-coup encore une fois, choc psy. Il a vraiment manqué de coups critiques hein, durant ce combat. Même s'il y en a eu au début avec son Groudon. Et mon Dracaufeu. Et voilà un coup critique quand on parle du loup. Il fait soin. Jugement. Encore un soin. Et ça y est. Ça y est, il retire Arceus. On a attendu longtemps et il envoie son Registeel. Il dévoile son troisième Pokémon. Là, ça va être intéressant. J'utilise soin. En anticipant eh bien, une attaque. Hein, j'avais pas anticipé le switch après. Mais là, je me disais qu'il avait plus beaucoup de PP. Il utilise Lumino-Canon. Il fait pas trop de dégâts. Ma défense P baisse malheureusement. Donc ça, c'est pas trop anticipable. J'utilise Explos Force, il évite l'attaque. Mur de fer. C'est compliqué pour moi. Là, je tombe de haut. Sa défense augmente beaucoup. Là, il veut se préparer à des gros coups. J'utilise Choc Psy. Ça lui fait strictement rien. Là, je me dis... Ah, Explos Force, ce que je retente, là. Encore un mur de fer. Et là... Ah, là, je suis feinté. J'utilise Explos Force, il passe. Et Registeel. Casse. Il utilise Griffacier. Ma défense a baissé, donc les dégâts sont un peu plus élevés. Un Explos Force et je finis sur Résistible. Ça y est. Le combat se débloque. Il envoie son Groudon. Et là, je me suis dit que ça allait être compliqué quand même de faire quelque chose là. Fallait vraiment pas être con. Il utilise l'impangène. Heureusement que j'avais placé mon soin. Et ouais, toujours. Le séisme, bon, vu le calcul des dommages, vu les dégâts qu'il me fait, j'étais obligé de refaire un petit soin. Pour quand même se placer. Un séisme. Et là, vous allez me dire comment je peux m'en sortir. Parce que là, au bout d'un moment, je vais être à court de soins. Hein, et son Groudon est presque frais. Et mon symbiose a combattu Arceus, a battu Registeel. C'est très dur là pour symbiose de tout tenir. J'utilise Explos Force quand même là. Il faut faire ça. Le coup critique le met à un PV. Là, je me dis, faut pas que je fasse le con là. Il est plus rapide que moi. J'envoie Porygon Z le Tug. Télécharge, augmente mon attaque SP. Et là je me dis il faut être plus rapide. Il évite l'attaque, l'impangène. Il me refait une impangène. Et heureusement que j'avais évité la première attaque parce qu'il me mettra 35 PV. Et là j'utilise triple attaque.
Et là, il reste plus qu'Archéus. Le gros don est battu. Le gros lecoq, bon, même ça, ça va servir strictement à rien. Son dernier Pokémon. Il reste quelques tours. Il utilise soin pour se placer. Mon symbiose est mal en point. Mon Porygon Z aussi. Lui, il est bien placé. J'utilise triple attaque. Ça va le mettre mi-life. Voilà, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et là, il va abandonner. Voilà, il l'abandonne. Et je sais pourquoi. Parce que il n'avait plus de pépé soin. Donc là, il n'avait plus non plus de jugement. Il n'avait plus que quelques ultra lasers. Avec les calculs que j'ai fait, ouais, bon, s'il a utilisé des PP+, voilà, il ne lui restait plus qu'un ultra laser, donc le contre-coup, bah, aurait eu tort de lui. C'est pour ça qu'il a déclaré forfait, mais je ne m'attendais pas, parce que là, j'étais vraiment pas bien, là. Dit, non, pas tout ça pour rien. Et il aurait pu peut-être jouer sa carte, là, sa dernière carte, en spamant ultra laser et en priant pour le coup critique, mais c'est pas grave, une victoire. Une victoire exceptionnelle, je trouve. On méritait tous les deux de gagner. Donc ça s'est joué sur les switch de mon Symbios à mon Porygon Z pour finir son gros don. Voilà, à très bientôt pour un nouveau l'heure du dimanche. Salut.